Merci de nous choisir pour vous informer. Deuxième jour des consultations sur la liste de consultés. Il y a eu la délégation de la coordination de la société civile de la RDC, suivie de celle de la CAGE. Les deux structures citoyennes ont plaidé l'une pour le respect des principes de l'union sacrée en vue de la reconfiguration de la nouvelle majorité parlementaire. La CAGE tient, elle, au respect des droits et libertés fondamentales tels que garantis par la Constitution de la République. La coordination de la société civile de la RDC et la CAGE ont salué cette démarche du chef de l'État afin, croyait-elle, de décrisper la situation socio-économique et politique de l'heure au pays. Nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ses mandataires qui sont dans les institutions et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. Au regard de ce que nous avons connu par le passé, où il y a eu des structures intégrant les politiques et la société civile, nous avons pensé que cette union sacrée puisse d'abord miser. Nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Et dans notre message que nous lui avons déposé, sous forme d'un cahier des charges, nous avons énuméré 8 points. Mais l'essentiel qu'on peut retenir, c'est que nous avons constaté, c'est que nous avons dit au chef de l'État, que 2 ans après la mise en place de la coalition FCC-CACH, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter le projet de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, tel qu'attendu par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et nous l'avons encouragé à poursuivre avec ses consultations en vue de déboucher sur la requalification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de